Monsieur Ali Mabroukine, bonjour. Bonjour, Sodina. Alors, il ne saurait exister en économie de marché un secteur privé qui soit soumis à des règles en théorie libérale et un secteur public économique qui est contraint par la réglementation d'échange que par celle relative au marché public, dès lors que toutes les EPE, c'est-à-dire les entreprises publiques économiques, sont contraintes par la réglementation de change et par celle relative au marché public. Alors, est-ce qu'il faut revoir tous ces dispositifs aujourd'hui pour s'y conformer? Je pense, oui. Les entreprises doivent s'y conformer. Est-ce qu'il faut revoir ce dispositif aujourd'hui qui est extrêmement contraignant pour l'entreprise? Il faut le revoir à partir du moment où on a considéré que secteur privé et secteur public économique s'inscrivaient dans la mutation actuelle de l'Algérie dans l'économie de marché. Il est clair, Sourila, que la réglementation des marchés publics, elle est conçue pour les personnes morales, ce qu'on appelle dans notre jargon juridique, les personnes morales de droit public, c'est-à-dire l'État, la wilaya, la commune et l'établissement public à caractère administratif. Mais une réglementation des marchés ne peut pas s'appliquer à des entreprises publiques économiques qui sont soumises au code de commerce et qui aussi sont tenues de réaliser des profits, des bénéfices, d'investir au même titre que les entreprises privées. En clair, être compétitive. Mais aujourd'hui, Monsieur Ali Mabroukine, est-ce qu'il faudrait revoir justement cette réglementation pour lever ces contraintes qui empêchent l'entreprise publique d'émerger? Est-ce qu'il faudrait revoir la réglementation sur le marché public du 16 septembre 2015? Oui, Sourila, la réglementation des marchés de septembre 2015, en fait, ne s'applique pas aux entreprises publiques économiques. Elle leur fait obligation de se doter d'une réglementation spécifique à leur marché. Mais Sourila, ce que j'ai pu observer à travers les réglementations adoptées par la quasi-totalité des EPE, c'est que parfois la réglementation dont ils se dotaient était encore plus rigide que celle prévue par la réglementation des marchés publics. Donc il y a là un véritable problème. Moi, je considère que la réglementation des marchés publics, Sourila, elle doit s'appliquer à toutes les entités qui relèvent directement de l'État et qui ont une fonction administrative, et aussi lorsque le financement des projets est un financement sur concours définitif ou sur concours temporaire du budget de l'État. Mais en dehors de cela, les entreprises publiques économiques, qui déjà eux-mêmes déplorent la cascade de textes qui les contraignent, aussi bien sur le marché intérieur qu'à l'international, à mon avis, cette réglementation doit exclure complètement de son champ d'application les EPE. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, en termes clairs aujourd'hui, avant d'adopter un seul et unique texte qui régissent l'activité économique, quelle qu'elle soit, dans le registre, dans le commerce, le code du commerce? Absolument. Tout simplement. Oui, oui, il y a d'ailleurs le code de commerce lui-même va être révisé, et il s'agit de mettre sur un pied d'égalité, comme ça se passe dans les autres pays, le public et le privé. Le public et le privé, de manière à ce que aussi les entreprises publiques cessent d'être une charge pour le budget de l'État, parce que quand on analyse les causes, les raisons pour lesquelles les entreprises publiques constituent un véritable fardeau pour le trésor public, on voit aussi que parfois ce sont les contraintes qu'on leur fait supporter qui sont à l'origine de cette charge qui est insupportable, Sourila. Je ne sais pas si on pourra revenir tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est inquiétant, c'est le gonflement de la dette publique interne de l'Algérie. On en va l'aborder certainement, mais bien sûr, quand vous parlez de la charge aujourd'hui, du poids de ces entreprises publiques par rapport à ces politiques d'ajustement et de restructuration et de prise en charge, ça a coûté quand même, si on se réfère à la déclaration du professeur Belmillon, pas moins de 250 milliards de dollars. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. On a tendance à penser qu'on adopte parfois des textes et on fait tout le contraire. Est-ce qu'il faudrait bannir le recours aux circulaires qui souvent remettent en cause les textes publiés dans les journaux officiels? Vous avez parfaitement raison, Sourila.
quand on parle de stabilité de la réglementation et qu'on présente la stabilité de la réglementation comme un des facteurs d'attractivité du territoire algérien, je pense que ce n'est pas le fait de changer de texte qui pose problème, c'est le fait qu'à côté des lois, à côté des textes d'application qui sont tous publiés au journal officiel, vous avez ce qu'on appelle des circulaires réglementaires. Elles continuent d'être prises à ce jour et souvent, elles sont contraires à des textes publiés au journal officiel, ces textes que auxquels les opérateurs économiques sont soumis et que les magistrats, en cas de litige, doivent appliquer. Il faut bannir les circulaires réglementaires et tout simplement laisser les administrations adopter ce qu'on appelle des circulaires interprétatifs, parce que celui-là, par exemple, je prends l'exemple des hydrocarbures, il y a eu la loi, maintenant nous avons des décrets qui ont été publiés au journal officiel, on va passer à une autre étape, ce sont des circulaires d'interprétation, parce que même un décret d'application peut nécessiter une circulaire interprétative, mais en aucun cas, une circulaire prise par l'administration pour interpréter ou pour appliquer un texte ne doit y déroger, sinon ce n'est plus l'état de droit. Voilà. Et c'est contraire, bien sûr, aux lois en vigueur. Et bien sûr, c'est ça le danger, c'est que les étrangers ne nous reprochent pas, les étrangers mais aussi les investisseurs algériens, ne vont pas reprocher aux législateurs de modifier un texte. Si la nécessité le contraint, on modifie les textes. Les lois de finances également sont faites pour ça. Mais qu'il y ait à côté de textes qui fixent les droits et les obligations de l'investisseur ou de l'entrepreneur, une circulaire qui vient ôter de leur substance ces textes-là, moi je dis que ça c'est insupportable et ça fait de l'Algérie. Je pense aussi que parmi les raisons pour lesquelles notre place dans Doing Business, même si on va peut-être revenir là-dessus, elle est largement due au caractère tout à fait imprévisible de nos lois et de nos textes. Mais voilà. Ces circulaires vont à l'encontre des lois qui sont publiées dans le journal officiel. Mais si un juge devait, par exemple, trancher sur une affaire donnée, il va tenir compte de la loi ou de la circulaire? Parce que souvent, on ne parle pas des circulaires. Ah, alors, quand vous avez une circulaire qui n'est pas publiée et qui prend le contraire ou qui prend à contre-courant un texte, il est clair que c'est la circulaire qui va s'appliquer. Même si elle n'est pas publiée? Elle n'est pas publiée, justement. Sourila, elle n'est pas publiée. Je ne sais pas si je peux vous donner un exemple. Il y a quelques années, une banque a reçu une circulaire de la Banque d'Algérie, il y a de nombreuses années. Et dans cette circulaire, on demandait de favoriser un entrepreneur parmi beaucoup d'autres, et même de lui attribuer l'essentiel des crédits. Il y a deux ratios prudentiels qui sont importants, le ratio de liquidité et le ratio de division des risques. Est-ce qu'il est normal que la Banque d'Algérie instruise une banque commerciale en lui disant « Non, vous donnez vos crédits à telle ou telle entreprise au mépris de ce ratio de division des risques qui est consacré par notre loi et par nos engagements internationaux. Si je peux me permettre, Souhila, nous devons appliquer les règles de Bâle 1, les règles de Bâle 2, et par conséquent, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Et là, c'est un message que je voudrais adresser à nos responsables, c'est-à-dire bannir à tout jamais le recours à ce type de texte. Mais quand on parle par exemple aujourd'hui de certaines pratiques qui aujourd'hui pénalisent les EPE, les entreprises publiques économiques, c'est le même principe aussi pour par exemple les entreprises privées, est-ce qu'on peut considérer que les lois relatives au marché public sont souvent mises en place pour favoriser certaines catégories de personnes au détriment de l'autre? Certains disent que c'est toutes ces réglementations aujourd'hui liées à la gestion de l'entreprise par rapport à certains marchés favorisent la corruption. Quel est votre commentaire? La réglementation des marchés publics, elle a été conçue justement pour qu'il n'y ait pas
que telle ou telle entreprise ne bénéficie pas d'un régime de faveur. Quand on voit, par exemple, le rôle de la commission d'ouverture des prix, le rôle de la commission d'évaluation des offres, lorsque, par exemple, un marché a été attribué provisoirement à une entreprise, celles qui n'ont pas été retenues ont la possibilité de faire un recours. Mais ça a été dévoyé, parce qu'il y a toujours des moyens, oui, de dévoyer. Oui, mais, Sorilla, on ne peut pas mettre en place une réglementation qui prévienne toutes les dérives auxquelles nous avons constaté. Je veux dire que déjà la réglementation, elle est rigide, elle est les garde-fous pour éviter qu'il y ait de favoritisme, les conflits d'intérêts, etc., ont été mis en place. Alors, probablement, Sorilla, votre question, elle est importante, probablement dans la rédaction des cahiers des charges. Il faudrait qu'il y ait un meilleur contrôle, parce que vous avez raison, il y a certains cahiers des charges qui ont été rédigés pour favoriser des entreprises. On les rédige en fonction de certains. Là, c'est à la commission des marchés compétente d'analyser correctement ce qu'on appelle le projet de cahier des charges, afin que tous les soumissionnaires soient placés sur un pied d'égalité. Alors, si on s'inscrit aujourd'hui dans l'après-Covid pour relancer un peu l'activité économique, c'est la directive du président de la République pour éviter bien sûr de sombrer dans une crise sociale, puisque déjà nous avons des difficultés. Certaines entreprises aujourd'hui sont en situation pratiquement de fermeture. Il y a eu une perte d'emploi équivalent à 1 million. C'est la déclaration du ministre du Travail, où en étant avec la dépénalisation de la faute de gestion ou l'erreur de gestion, puisque nous savons que le CNES travaille sur cette question. Actuellement, est-ce qu'il faudrait revoir l'article 6 bis de l'ordonnance numéro 15-02 du 23 juillet 2015, qui n'a pas pour autant dépénalisé l'acte ou la faute de gestion? Je vous remercie de cette question, Sorilla, parce qu'elle me donne l'occasion de faire une mise au point. La dépénalisation, alors on dit dépénalisation de la faute de gestion. Souvent j'entends dépénalisation de l'acte. Non, on ne dépénalise pas un acte, on dépénalise une faute. Elle deviendra faute civile, faute disciplinaire. Donc le Conseil national économique, social et environnemental travaille activement sur un projet de dépénalisation de la faute de gestion. Ce qui s'est passé en 2015 me paraît très grave, Sorilla. Paraît très grave et je me demande si l'auteur de ce texte a mesuré toutes les conséquences. Dans le code d'abord, la dépénalisation de la faute de gestion ne peut pas avoir son siège dans un code de procédure pénale. D'autre part, qu'est-ce qu'on demande au procureur de la République? On lui demande de ne pas mettre en mouvement l'action publique, même pour des faits caractérisé pénalement, sauf s'il est saisi par les organes sociaux de l'entreprise. Prenons une SPA. Quels sont les organes sociaux? Vous avez le conseil d'administration, vous avez l'assemblée générale et vous avez le président du conseil d'administration. Ce qui signifie que la mise en mouvement de l'action publique n'est envisageable que dans la mesure où les organes sociaux, qui probablement peut-être sont impliqués dans ces faits délictueux, saisissent le procureur de la République. Mais excusez-moi, Sorilla, moi j'ai essayé de voir un peu partout dans les autres législations, je n'ai jamais trouvé l'équivalent de cet article 6 bis qui n'a pas sa place et qui est en plus une violation caractérisée des prérogatives du procureur de la République. Adopté en 2015, il faudrait le revoir impérativement. L'abroger. Il faut l'abroger et réfléchir aux infractions. On peut s'inspirer par exemple de l'exemple français. À l'époque, la ministre de la Justice de l'époque avait demandé à un magistrat, M. Coulon, de faire un rapport sur la dépénalisation du droit des affaires. Il y a un certain nombre d'infractions qui ont été dépénalisées, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'auteur de ces fautes n'encourt pas de responsabilité. Il y a la responsabilité civile, et la responsabilité disciplinaire.
Alors, Monsieur Ali Mabrouki, moi, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de la rédaction. Vous parlez de l'article 6 bis de l'ordonnance de juillet 2015 sur la pénalisation de l'acte de gestion. Vous dites qu'il faut l'abroger, l'abandonner totalement et le sortir du code de procédure pénale, l'intégrer dans le code du commerce ou le code pénal. Oui. Bien sûr, un article relatif à la dépénalisation de la faute de gestion n'a pas sa place dans un code de procédure pénale qui, lui, dispose, organise le déroulement d'un procès et qui définit les prérogatives du procureur général, de la police judiciaire, du juge d'instruction. N'a pas sa place. Là, c'était un article qui visait tout simplement à interdire au procureur de la République de mettre en mouvement l'action publique. Et c'est très grave, parce que j'oubliais, celui-là, si vous permettez, on a parlé des organes sociaux de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le commissaire aux comptes, qui encourt une responsabilité civile et pénale, s'il constate qu'il y a des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, mais il rush le procureur de la République. Mais c'est grave. Il lui-même risque de voir sa responsabilité pénale mise en jeu pour ne pas avoir communiqué les faits en question au parquet. Mais il faudrait aussi parallèlement, puisque le texte est en voie d'amendement actuellement, même le président de la République en a parlé lors d'une rencontre avec les opérateurs économiques, définir avec précision la faute de gestion entre la faute délibérée de la gestion. Bien sûr. Et bien sûr, détournement de fonds. Oui, vous savez, Soïla, le président de la République, son souci, il a constamment réaffirmé, c'est de protéger le cadre algérien, parce qu'on s'est rendu compte, et là, j'ai beaucoup de gens m'en parlent, il y a une très forte réticence de la part des managers, des cadres dirigeants, à prendre des initiatives, alors même qu'elles relèvent de leurs compétences, de crainte d'être tout simplement, parlant de manière prosaïque, d'être convoqué par le juge d'instruction. Donc, ça, c'est un point. Maintenant, Sourila, quand vous parlez d'abus de biens sociaux, de détournement, là, ce n'est plus la faute de gestion. Il vous avait dit délibéré. Attention, on peut même considérer que parfois certains gestionnaires commettent une négligence grave. Et quand on commet une négligence grave, ça peut relever du pénal. Donc, il faudra bien définir les fautes qui ne procèdent pas de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi du gestionnaire et les fautes qui procèdent d'une attitude, j'allais dire, irresponsable, une négligence grave. Et là, le gestionnaire peut voir sa responsabilité pénale mise en jeu. Mais avant de recourir au procureur ou à la justice qui se saisit bien sûr du dossier, le rôle de la Cour des comptes. Ah oui, il est question de renforcer considérablement le rôle de la Cour des comptes. Sourila, une Cour des comptes ne peut pas chaque année publier un rapport qu'elle adresse au président de la République, que tout le monde, dont tout le monde peut prendre connaissance puisqu'il est publié au journal officiel. Non, la Cour des comptes, elle doit pouvoir exercer ses diligences, elle doit pouvoir faire un contrôle a posteriori, la conformité des décisions qui ont été prises aux règles régissant le fonctionnement des fonds publics. Là, la Cour des comptes, elle doit pouvoir mettre en débat les ordonnateurs et tous ceux qui engagent des dépenses en violation des règles régissant justement le fonctionnement d'un certain nombre de comptes. Là, la Cour des comptes, excusez-moi, Soïla, depuis maintenant plus que 20 ans, elle n'a pas été en mesure de jouer son rôle. Ce n'est pas faute pour les magistrats de prendre au sérieux leurs fonctions. Je pense qu'on a voulu mettre en hibernation cette institution. Mais là, le président Al-Majid Boul est déterminé, lui, à réhabiliter les fonctions et les attributions de la Cour des comptes. Il y a aussi d'autres institutions, comme par exemple l'IGF et d'autres, bien sûr, qui sont en charge de contrôler, bien sûr, les deniers publics. Alors l'investissement a besoin aujourd'hui, puisqu'on s'inscrit dans l'après-Covid, de stabilité juridique, ça c'est important, et aussi de confiance. Cette confiance, comment aujourd'hui la recouvrer quand vous avez
certains managers ont peur d'investir, monsieur Ali Mobrouk. Ils ont très peur, Souhaila. Et vous parlez des managers, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de présidents d'APC qui également vivent dans la hantise d'être mis en cause par la justice. La meilleure manière de protéger le cadre, c'est un, de dépénaliser. Donc on va aller vers une dépénalisation, mais avec un texte très précis. Vous allez voir, un texte extrêmement précis qui va contraindre le juge. Et là, peut-être vous me donnez l'occasion, Souhaila, de dire que nous avons depuis quelque temps un problème de formation de nos magistrats. Il est absolument indispensable de mettre à niveau nos magistrats dans le domaine de la comptabilité, du droit des affaires, du droit de la concurrence, et aussi leur faire comprendre que, évidemment, il ne peut pas y avoir une vie des affaires, une économie de marché, si les managers et les gestionnaires sont constamment sur le qui-vive. Certains gestionnaires me disaient que quand ils prenaient une décision, ils passaient après une nuit blanche parce qu'ils avaient peur qu'on les appelle, qu'on les convoque. Et donc ça, on ne peut pas avancer. L'Algérie ne peut pas avancer si les managers ne sont pas protégés. Mais il faut des signaux forts aujourd'hui, il faut de l'apaisement impérativement. Vous avez cette déclaration de président d'un parti politique, le président du parti El Mustaqbel, Abdelaziz Belaïd, qui dit qu'il faut aujourd'hui trouver une solution pour par rapport à ceux qui sont actuellement en détention, trouver un compromis pour récupérer l'argent, parce que les avoir mis en prison, personne n'a gagné, ni eux ont gagné, ni l'État n'a gagné pour la récupération de l'argent détourné ou transféré à l'étranger. Je pense effectivement que ce qui est impératif pour l'Algérie, c'est de récupérer cet argent. Donc, qui est une manne importante. Qui est une manne importante, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Pour l'extérieur, Souhaila, nous avons besoin de la coopération et de la bienveillance des autorités des pays qui ont dans lesquels se trouve cet argent. Donc ça, c'est un problème complexe, difficile. S'ils voudront bien contribuer. Qui mériterait à lui seul toute une émission. C'est sûr. Mais un plan je pense que la proposition de mon ami Aziz Belaïd est une proposition raisonnable. Maintenant, il y a aussi un autre problème, Souhaila, c'est que le président de la République a insisté pour la poursuite de la lutte contre la corruption. Et évidemment, c'est, si on met en avant l'aspect récupération des biens et liberté des gestionnaires qui ont été déjà condamnés, ça pose un problème un peu. Mais la corruption, c'est un délit majeur. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous par rapport à cette situation que nous vivons, puisqu'on s'inscrit aujourd'hui dans l'après-Covid, comment aujourd'hui, par exemple, mettre en place certains mécanismes qui permettraient aussi le déploiement des entreprises algériennes à l'international. Aujourd'hui, l'ambition, c'est d'exporter 7 milliards de dollars. C'est l'instruction du président de la République. L'Algérie recèle d'énormes potentialités dans beaucoup de domaines, notamment dans, par exemple, le secteur des mines, si on le prend en considération, dans le domaine de l'agriculture qui a réalisé des bons exceptionnels ces dernières années. Et vous avez aussi, par exemple, dans le domaine pharmaceutique, puisque nous allons produire des médicaments en quantité, nous avons des firmes quand même de qualité. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui alléger certaines procédures qui sont contraignantes au niveau de la Banque d'Algérie? Souhaila, c'est grâce à vos émissions qu'un certain nombre de thèmes peuvent remonter chez le décideur, et ce qui montre l'intérêt très important de cette émission. Effectivement, il y a la nécessité de revoir complètement la réglementation d'échange. Je voudrais vous dire une chose, Souhaila. On parle beaucoup de revoir le statut de la Banque d'Algérie. Non, la loi monnaie et crédit telle qu'elle est n'a pas besoin d'être revue. Ce sont des règlements pris par le Conseil de la monnaie et du crédit qui ont besoin d'être revus, certaines datent des années 90, donc il faut avoir une réglementation d'échange qui permette à ces entreprises de ne pas avoir d'obstacles à l'international. Il y a la diplomatie économique dont les deux maîtres d'œuvre sont le ministre des Affaires étrangères et le président du CNESE, qui sont en train de mettre en place une véritable diplomatie économique. Et puis il y a aussi, il faut le dire,
n'y a pas de pays qui peuvent exporter si nous n'avons pas la logistique appropriée. En principe, grâce, entre autres, au port de l'Hamdaniya, l'Algérie pourra se doter d'une logistique appropriée pour pouvoir exporter ses produits. Mais la réglementation de change, est-ce qu'elle elle est fondée aujourd'hui ? Elle est fondée, si vous voulez, elle n'est pas fondée au regard de la vocation de l'Algérie à s'ouvrir. Elle est fondée, souris-là, au regard de nos réserves de change. Nous avons aussi le regard rivé sur les réserves de change et l'Algérie voudrait les utiliser. Notre pays ne veut pas tomber sous la dépendance de quelque institution internationale que ce soit. Le prix à payer, ni le FMI, ni la Banque mondiale, le président de la République l'a rappelé plusieurs fois, et donc nous devons avoir toujours un certain niveau de réserve de change. Donc la réglementation d'échange, elle n'est pas appropriée, mais après tout, on fait un calcul coût-bénéfice. Si, en assouplissant la réglementation d'échange, l'acte d'exportation est revalorisé, eh bien, ça mériterait que l'on supprime un certain nombre d'obstacles. Donc, on est gagnant. Alors, aujourd'hui, si maintenant, on s'investit sur les marchés internationaux, il y a certaines procédures qu'il va absolument faudrait mettre en place. Par exemple, la conciliation de contentieux en cas de conflit. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui se déployer au niveau international pour aller vers les arbitrages internationaux? Parce que toutes les affaires en arbitrage, on les a quasiment perdues. Oui, vous avez parfaitement raison, Sohila. Ce que souhaite faire, c'est la proposition que va faire le président du CNESE, c'est de relocaliser le contentieux international. Ça veut dire quoi, relocaliser? Ça ne veut pas dire que les juridictions algériennes seront compétentes pour connaître des litiges internationaux. Non, parce que les étrangers, pour des raisons sur lesquelles on ne peut pas s'attarder, se méfient de nos magistrats, de nos juridictions, comme d'ailleurs nous nous méfions aussi de leurs magistrats. Donc, à mon avis, il faut mettre en place ce qu'on appelle la conciliation institutionnelle, c'est-à-dire permettre à des conciliateurs indépendants de rapprocher les points de vue des parties. Et puis il y a, c'est ce que la directrice générale de la CACI entend mettre en œuvre, c'est-à-dire revaloriser ou réhabiliter la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Mais tout le monde boude de cette procédure qui passe par l'arbitrage. Vous avez raison, Souris, là, elle est tenue en suspicion par tous les investisseurs, y compris d'ailleurs, je l'ai noté, les investisseurs des pays arabes. Il appartient à l'Algérie d'expliquer que la procédure arbitrale organisée par la CACI ne remet pas en cause la neutralité de l'arbitrage. Parce que, souris-là, on continuera comme avant, chaque partie désigne son arbitre, les deux arbitres désignent un troisième arbitre le cas échéant, et il n'y a pas d'interférence des juridictions algériennes. Seulement, l'organisation de l'arbitrage, il est assuré par la CACI, au lieu d'être assuré par le CIRDI, ou d'être assuré par la CCI. Une chose quand même, Souhila, il est bien évident que l'Algérie a adhéré à toutes les conventions internationales relatives à l'arbitrage. Et donc, nous avons des engagements internationaux que nous devons respecter. Je vous rappelle que dans la constitution révisée du 1er novembre 2020, tous les engagements internationaux ont une autorité supérieure aux lois internes. Mais si nous administrons la preuve que l'arbitrage qui est organisé sous les auspices de la CACI est un arbitrage neutre et indépendant, on pourra relocaliser le contenu. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit « Le code des marchés est devenu aujourd'hui un code pénal bis, surtout ces dernières années, les ordonnateurs publics travaillent avec la peur au ventre. » Oui, je suis tout à fait de l'avis de cet auditeur et je pense que cela a été pris en considération. J'ai oublié tout à l'heure de dire que dans le texte de 2015 que vous avez cité, Souris-là, il était question de créer une autorité de régulation des marchés. Nous l'attendons toujours, et si je peux envoyer un message à partir d'ici, c'est de dire mettez en place cette autorité de régulation, parce que dans le code des marchés publics, les règles doivent être interprétées, elles doivent être précisées
seule une autorité de régulation peut préciser ce qu'on entend par telle ou telle disposition, puisque justement maintenant cet auditeur a parlé d'un code pénal bis. Mais est-ce qu'il faut donner toutes les prérogatives nécessaires à ces autorités de régulation des marchés, puisque nous avons certaines autorités qui sont sous le coup des ministères, elles n'arrivent pas aujourd'hui à jouer leur rôle pour réguler le marché. Vous avez parfaitement raison, Zoïla. Plusieurs institutions existent. Vous avez parfaitement raison. Les autorités de régulation... Pour les télécommunications, pour le commerce, pour toutes les activités. Encore, les autorités de régulation, Zoïla, la dernière fois, l'autorité de régulation de la poste et des communications a pris quand même, elle a sanctionné les trois opérateurs de téléphonie mobile parce qu'ils n'avaient pas déployé la 4G dans certaines wilayas. J'ai trouvé que c'était un bon signal. Il faut que les autorités de régulation soient indépendantes, sinon elles n'ont pas leur raison d'être. Aujourd'hui, elles sont soumises aux pressions des ministères. Et puis, puisque vous parlez des autorités de régulation, il faudra trancher une fois pour toutes la question de la concurrence. Parmi les critiques qui nous sont adressées, il y a le fait que les règles de la concurrence ne sont pas appliquées en Algérie. Est-ce qu'il faut renforcer les prérogatives du Conseil de la concurrence et lui permettre, à la limite, de jouer le rôle que jouent les juridictions commerciales qui, elles, sont compétentes pour connaître des contentieux relatifs à la concurrence. Je voudrais simplement ajouter, il y a de plus en plus de commerçants qui sont en abus de position dominante, il y a de plus en plus d'ententes illicites, mais il n'y a pas de sanctions. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce que, par exemple, les experts comptables exercent leurs travaux avec la force des textes existants actuellement? Est-ce qu'ils peuvent agir aussi en termes de gestion des deniers publics au niveau des entreprises publiques? Bien sûr, ils ont une latitude très, très importante. Alors, je ne sais pas si l'auditeur parle des experts comptables ou des commissaires aux comptes. Des experts comptables. Des experts comptables. Même les commissaires aux comptes, oui, ils ont un rôle important. Bien sûr. Justement, la loi de 2010 donne des attributions très importantes aussi bien au commissaire aux comptes. Il a d'ailleurs un rôle beaucoup plus important que le commissaire aux comptes dans les pays à économie de marché. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parfois, les organes sociaux considèrent que le commissaire aux comptes fait immixtion dans leurs attributions. Moi, je suis aussi partisan de revoir la loi de 2010 relative aux attributions des experts comptables et des commissaires aux comptes, de manière à ce que le commissaire aux comptes ne s'immisce pas. Le commissaire aux comptes n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion interne de l'entreprise, mais il doit évidemment contrôler. C'est un, si vous voulez, Zoïla, le commissaire aux comptes, il est là pour prévenir, il joue un rôle de veille. Dès qu'il constate qu'on est dans le rouge, il doit informer les organes sociaux, mais il ne doit pas interférer dans leurs prérogatives. Alors, vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit « Pourquoi il n'y a pas de tribunaux du commerce qui amnistie les surendettements des petites entreprises des impôts ?» Par exemple, cela existe ailleurs ? Oui, bien sûr. Le surendettement est un problème qui se pose de plus en plus. Vous savez qu'au niveau de la Banque d'Algérie, il y a la centrale des risques et donc c'est à la Banque d'Algérie de résoudre le problème du surendettement et des entreprises et aussi des ménages. Hein. Depuis quelque temps, nous constatons une augmentation du surendettement des ménages, Zoïla. Et ça, c'est un problème qui, pour le moment, est pris en charge par notre banque centrale. Alors, l'amnistie fiscale, c'est une option qui est en train d'être examinée, une bonne opportunité aujourd'hui pour régler définitivement le problème de cette dualité entre le marché formel et le marché informel, Zoïla, qui constitue quand même 60 milliards de dollars, c'est oui, pas rien. Zoïla, vous posez là une question qui est très controversée. Il y a aujourd'hui en Algérie des partisans de l'amnistie fiscale et des adversaires de l'amnistie fiscale. Beaucoup de pays l'ont fait. Oui, mais il y a des pays qui n'ont pas réussi. Hein. L'Italie, un certain nombre de pays ont fait une amnistie fiscale partielle. Si on parle d'amnistie fiscale générale, c'est très bien, mais ça veut dire qu'à partir du moment où les personnes bénéficient de l'amnistie fiscale, ça veut dire après ils devront déclarer tous les biens qu'ils possèdent. C'est un peu comme on fait... Mais l'État récupère l'argent.
l'État récupère l'argent. Maintenant, pour le secteur informel, c'est extrêmement compliqué, vous avez raison. 60 milliards de dollars qui circulent dans ce... C'est l'estimation de la Banque d'Algérie, donc ça pourrait être plus. Ça oui. pourrait être plus. Ça pourrait être plus, et surtout le PIB, 35% du PIB sont représentés par ce marché. Mais moi, je suis... Avec bien sûr la dette interne qui est importante. La dette publique interne qui est importante, mais je pense qu'il faut... À mon avis, l'amnistie fiscale, il faut bien la préparer pour qu'elle soit une réussite, parce que sinon, elle peut être aussi un échec. Monsieur Ali Mabrouki, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci.